Eh bien salut tout le monde, c'est Mezo. Aujourd'hui on se retrouve, je suis... Oula, le gros lag de début. On se retrouve, je suis accompagné d'Aras73. Bonsoir. Et d'Exo. Yo. Alors bon, vous verrez Bobo ici, mais c'est parce que monsieur... plus du cul, non je déconne. C'est parce que en fait monsieur se connecte sur le compte de son frère parce qu'il y a un problème avec son compte, bref on essaiera de régler tout ça. Mais c'est bel et bien Exo en effet, prouve-nous. Hello, c'est moi. Voilà, bitches and gentlemen. Je vais juste voir au niveau du son parce que voilà... Parce que là le son était vachement beaucoup fort. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une aventure suivie sur Minecraft qui va être des plus belles, en tout cas je l'espère, à beaucoup d'épisodes. En fait ça va... On se calme les enfants. Pardon. Ça va être une série dans laquelle nous allons bien tout simplement partir de rien et on va essayer petit à petit de construire une ville dans ses environs. Alors d'abord aujourd'hui ce qu'on va faire c'est le stuff de base. Alors, et le début de l'installation. Donc bah on va aller chercher du bois mes amis hein, et puis bon. Alors vous risquez de vous dire oui encore une aventure suivie comme on en voit des dizaines. Eh bien vous avez raison. Mais bon j'avais envie d'en faire une hein, voilà. C'est aussi parce qu'on a envie de se détendre un petit peu maintenant que c'est les vacances. Mais juste un petit peu hein, parce que si c'est trop après c'est non. Oui, oui c'est clair. Oui, c'est à peu près ça. De toute façon, c'est dommage, c'est dommage. Oui, en effet. En effet. On pense développement durable, on replante des arbres. On s'en bat les couilles. Ah là là, et donc voilà, on se dit... Ce petit coin des montagnes, ah, on va vous le montrer vite fait. On l'a survolé quelque peu. On n'est pas trop loin de notre spawn. Hein. C'est-à-dire que à la base, on a voulu... parce qu'en fait, on était en plein milieu d'un site de neige et pour commencer une aventure, on s'est dit que non, valait mieux qu'on prenne quelque chose. Non, parce que le site, elle est sympa comme pièce de théâtre, mais pas trop non plus. Hein. Je veux dire, c'est un peu chiant. C'est qu'un Alexandrin. Yeah pardon. Merci. Ah, il est parti refaire l'éclairage de sa chambre. Je mets 3 sur le groupe agrogène et 4 néons. Tout ça à trouver. Le portos du serveur. Alors on vous a pas dit, mais Aras, ce sera celui qui mettra en œuvre. La marchanderie, il faudrait toute la marchanderie. Tout ce qui est trouvé, le pain, le bois. Moi j'ai 64 de bois, les mecs, donc moi, pour moi le bois ça va être bon pour l'instant. 64 de planches, pas de. Oui, pas de tronc d'arbre, hein, je m'appelle pas. Oui, je disais. Waouh, c'était. Oui. Productivité les mecs. Ah ouais mon gars. Ah ouais. En parlant de ça d'ailleurs on vous tiendra au courant du bac et des résultats très prochainement déjà sur les réseaux sociaux. On vous tiendra tout court hein, on va pas vous lâcher d'ailleurs. Qu'est-ce que tu parles? T'as même pas passé ton bac, t'as même pas passé ton BEP, t'as même pas... Non moi je déconne. Même pas le brevet d'ailleurs. Oui, même pas le brevet, bordel. J'ai pas eu. J'ai passé mais j'ai pas eu. C'est pour ça en fait je suis retourné dans le passé en fait, c'est pour ça tout le monde me dit ouais mais tu fais largement plus ton âge, normal en fait. Je suis retourné dans le passé mais je suis réintégré mon corps du passé, comme Wolverine. Mais quel âge as-tu réellement en fait Aras 75 ans. Bordel de merde. Par contre je crois que ça vient d'Exo, on entend le son dans le casque un tout petit peu, c'est pas très dérangeant mais si on pouvait régler ça dès maintenant. Merci à tous, j'envoie la sécurité. Alors, non je déconne. C'est bon là. Ça devrait être bon. Moi, ça va être bon, ouais. Je récupère encore 2-3 planches là. Ouais. Coucou. Bon, on va minaille. On se calme. Hein. Parce que bon. Non, franchement, il y a une vache là-bas. Alhamdulillah, il y a une vache là-bas qui me donne bien envie. Enfin, la tuer. Oh non, c'est dégueulasse. C'est lui qui est dégueulasse là. Tout de suite, la direct, vas-y. Bande de gros porcs. Excuse-moi, mais la façon dont tu l'as dit aussi. T'as une vache là-bas, elle me donne bien envie quand même. Viens, on y va. Là, j'ai trouvé une espèce de faille si vous voulez partir. Attends, je crois, je suis pas sûr. Alors, ça a l'air de s'enfoncer. Il y a d'autres vaches en plus ici. Oh non, mais. Race mais bordel, mais t'es jeune encore. J'ai tourné 15 ans, hein, je peux dire que voilà. Oui, hein, tu peux... Oh bah dis donc, des minettes, t'en as vu passer. Ça me rappelle la guerre du Vietnam, tout ça. Quand on était dans les tranchées à Verdun, les Vietnamiens nous sont tombés sur la gueule à coups de napalm. Le pire, c'est qu'ils sont tous venus vers nous, ils nous ont encerclés, ils nous ont fait bande d'eau, vous voulez du riz ou des nems. Ils nous ont filé à diarrhée pendant 25 ans, ces connards. Vous n'imaginez pas tout ce qu'une tiara peut faire pour vous. Là, je te jure, je suis en train de récupérer v'là la bouffe, je vais devenir le cuistot du serveur. Je crois que je vous ai perdu là. Ouais, moi aussi. Au pire, c'est pas grave, on se retrouve à la grande tour qui pique le cul du ciel. Pourtant, normalement, les Portugais, c'est des grands explorateurs. Ouais, bon, c'est surtout les grands constructeurs. Hein. Bah, c'est pour ça, en fait, ils imposaient leur style de construction partout dans le monde. Parce que je suis désolé, mais Christophe Colomb, le mec qui a découvert l'Amérique, mon cul, oui. Hein? Parce que... Oui, il y avait déjà... Okay, c'est moi, moi qui l'ai découvert. Exactement, voilà, Arras, hein, le grand oublié de l'histoire, bordel de merde. Ouais. Mais oui, c'est parce qu'en fait, tu vois, je suis retourné dans le passé, ça crée des paradoxes du coup. Je crois que c'est Arras, je crois que c'est toi là-haut que je vois. Là, ah, là-bas, je vois un bobo, enfin, un exo en l'occurrence. Ouais. Mais du coup... Je surplombe le monde, ainsi que toute l'humanité. Voilà. Voilà pourquoi je peux faire des vidéos avec Aras. Après, il me vole la vedette et tout avec son rire diabolique. Le rire maléfique de Dieu. Hein? Le rire satanique de Dieu, je l'ai senti hier. Le rire satanique de Dieu, en effet. Et moi, comme quoi. Ce midi, j'ai réussi à me couper avec une cuillère. Adorons la sainte cuillère. Ah, mais parce que c'était l'anniversaire de mon petit frère, alors il a eu des cadeaux. Et tu sais, souvent sur des cadeaux, tu sais, enfin, sur. Non, mais tu sais, il y a du scotch sur les côtés. Pas sur le papier cadeau, oui. Hein, sur l'emballage du truc. Et puis bon, y avait des couteaux, il y avait des ciseaux, mais moi je me suis dit non, je vais me faire un challenge, je vais l'ouvrir à la cuillère. C'est bien qu'à un moment j'ai tellement forcé que lorsque le scotch a lâché, je me suis pris la cuillère dans le doigt et bah. D'accord. Ouais. Je pensais pas qu'une cuillère pouvait autant couper. C'est comme quand j'étais à GoPita que j'ai réussi. Tu vois, le kiwi, tu vois, il était pas mûr du tout, mais j'ai réussi quand même à éplucher un kiwi pas mûr du tout avec un couteau en plastique. Tu sais, les couteaux de pique-nique, oui. Tu sais, qui se tordent comme ça. Non, mais je suis Aras Gyver, je te le dis. En fait, c'est Aras versus Wild. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment éplucher un kiwi, même pas mûr, avec un couteau en plastique que j'ai moi-même fabriqué. C'est le pétrole de mon arrière-grand. Non. Bon, en tout cas, les mecs, là, ça se profile bien. Attendez, par contre, je crois que j'ai la musique du jeu. Ah oui, d'accord, je vais la couper. Ouais, j'avais oublié. Coucou, coucou, coucou. Pardon. Il faudrait qu'on se fasse une sorte d'abri pour la nuit. Bah, c'est-à-dire que il y aura des Exo a commencé un petit peu. Mais pas tant que ça pour commencer. Si, bah, ah oui, c'est vrai. La difficulté pour l'instant, elle est à 1. Eh, regardez, il y a un donjon là-bas. Regardez, là, dans la, il y a une caverne là-bas et c'est de la mossicobble. Du coup, c'est un donjon. Ça te dérange pas de parler quand je parle? Non, mais c'est que c'est important, c'est-à-dire qu'on a un spawner à meubles. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a un coffre. Allons voir le coffre. Je vais voir le coffre. Attends. J'ai déjà, venez dormir dans le lit au moins, juste pour le spawn. C'est des squelettes. Comment ça, il n'y a pas de coffre? J'ai pas vu de coffre. Et surtout, t'as pas de torche, donc tu peux pas le... Non, mais c'est-à-dire que là, en plus, c'est avec l'obscurité, j'ai pas vu. Ouais, du coup, bah, si vous pouvez me trouver des torches dans le plus bref délai que je puisse assouvir mes pulsions d'explorateur potouiche. Mes pulsions vidéoludiques. Attends, ouais, il faut qu'on reste ensemble. D'abord, on a dit, premier épisode, on commence à se faire un petit abri, tout ça. On verra par la suite. Faut que ce soit organisé, notre série, tu vois. Non, mais moi, j'ai pas envie de me faire un petit abri, j'ai envie de faire. Non, j'ai juste cherché. Tuer le mouton là-bas pour faire un lit, tu vois. Ah, mais moi, c'est pareil, j'ai pas de laine du tout, moi. Que dalle. Bah, laine de verre. Niet, restez rouge. De verre. Le truc bien qui te fait bien souffrir. Après, ouais. J'ai des côtes de porc à faire cuire, j'ai du chicken. Et puis. Allô, Mr. Chicken. Mr. Chicken. Et bah vas-y, mets-le tes trucs à cuire. Non, je voulais avoir vu un. Non, bah pour l'instant j'ai qu'un truc de laine. Je vais aller me faire une hache en bois, je vais me faire une hache en pierre pour aller récolter du bois et faire du charcoal au pire, parce que... Du charcoal évidemment. Ouais. Sinon là-bas il y a des citrouilles, du coup on pourra se faire une agriculture de citrouilles pour sortir de la tarte à la citrouille. Exactement, la tarte à la citrouille. Je vais ramasser. Par contre gros, dans le coup, bah, c'est pas grave on partage, hein, mais parce que j'avais mis des steaks aussi à cuire gros. Ah bah on partage tout, t'inquiète. Mais vas-y. Tranquille. Si t'en as besoin tu me dis, je suis en bas. T'inquiète, mais là j'ai des côtes de porc et du poulet donc ça va. T'as du poulet brisé. D'ailleurs, Ramadan Mubarak à tout le monde. Ramadan Mubarak, mes frères. Oui. Mais oui, mes frères. Enfin, moi je dis ça, mais voilà. Hein, Aussi, quand on a pris les champignons. Du coup, on devrait peut-être. Je chante. Tac, maintenant je vais mon chicken à brûler. Nugget biscuit, nugget in a biscuit. Ouais. Là j'aurais dû récupérer de la pierre pour me faire, parce que j'ai pas, là j'aurais pas assez de pierre pour me faire même une prémisse de fondation de maison. Ça tombe bien, il est avec nous. Désolé, mais... Fallait me le dire, j'en ai sur moi. De la cobble. Non mais t'inquiète, parce que la maison je vais pas me la faire ici, moi je me la ferai dans la vallée. Oh mais bon, au début... La petite maison dans la vallée. Oh, oh. D'ailleurs, c'était moi aussi le réalisateur de cette série. D'accord. Après, il y a la petite maison dans la prairie qui a volé la... non, c'était mon frère. Non, ok, bah ça m'intéresse pas. Désolé. Attends, faudrait que je mange, il me reste plus que 2 trucs de bouffe. Attention, hein. Si c'est mis, on sait pas trop, pardon. Bon. Mais je sais pas. Bon. T'as là, je suis en train d'escalader une montagne. Vous, c'est tout. Là, c'est pareil en plus. Bah, je remonte au campement. Attends, je regarde juste quelle heure il est sur le serveur. Ah oui, il est depuis 11h30 du soir en plus. Ce qui fait que. Regarde derrière toi, maison. Pas mal de time. Derrière moi. Oh, you there! Oh my god, tu es tellement magnifique. J'ai envie de me marier avec toi là, maintenant tout de suite. Veuillez insérer le ticket. Non, rien. Ah bah, comme j'aurais dit à Neil, j'insère mon jeton dans sa fente. Après, j'ai envie de dire BG pour les fans. Et qui même me suivent. Vous n'aurez pas de la bouffe là, j'ai... Viens, j'en ai là. Je sais pas où t'es par contre. Je sais que t'es derrière, mais... Bah attends, je... Bah moi aussi, je sais que t'es devant. Ah si, t'es par là. Oh my god, run! T'as franchement en géolocalisation on est impeccable. Oh mais on est tellement impeccable. Ah ouais mon gars. Ah ouais. Oh non. Ouais. Bon. T'en plaît. Bah écoutez en tout cas les amis ça va être. Enfin là normalement tu devrais en avoir assez. Les amis on va vous laisser donc pour ce tout premier épisode. On se retrouvera exactement après cela pour le 2e épisode etc. Cochon. Voilà ce sera des épisodes qui seront d'une durée à peu près de... Indéterminé, mais déterminable. Mais exactement. Voilà les amis. Donc je dis à la prochaine tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao. Salut.